Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur notre page du Turf. Alors, je me permets de faire une vidéo rapide pour vous informer que demain 8 août se tiendra sur l'hippodrome de Saint-Malo une étape du Grand National du Trot. Au cours de cette épreuve, de très bons chevaux vont se retrouver, des chevaux très connus à ce niveau, voilà. Alors, je ferai bien sûr, je publierai un petit peu plus tard une analyse plus détaillée. D'ores et déjà, vous pouvez vous noter sur vos tablettes le numéro 13 Clean Game qui sera drivé par Jean-Michel Bazir. Bon, c'est un métronome, on ne le présente plus. Il a gagné plusieurs étapes de ce Grand National du Trot. Il fera office de favori logique. La cote ne devrait pas être si mauvaise que ça parce que dans la course, il y aura aussi le numéro 11, Quentin de l'Éclair. Attention, cette fois-ci, il sera déféré des postérieurs. On sait que ce cheval retrouve petit à petit ses meilleures sensations et que sur ses meilleurs titres, il est capable de faire un numéro et finalement de se hisser sur le podium. Par conséquent, je vous invite lui aussi à le retenir. J'ai ensuite retenu dans un second choix, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas le vocabulaire, le numéro 14, coup droit. Attention, ce cheval est habile, il est tout à fait capable de surprendre. C'est un petit cheval rapide, maniable. Il s'est montré fautif en début d'année, il semblerait que ça aille de mieux en mieux. J'y reviendrai, mais il faut l'inclure dans sa sélection. Et ensuite, le 5 Copernic de Play, il aligne les victoires. Le cheval est en grande forme en ce moment. Tous les indicateurs sont réunis pour qu'il fasse là aussi une très très belle course. Voilà. Alors je propose comme jeu le 13 Clean Game, qui constituera la base absolue de vos jeux. Et ensuite, je propose un multi ou un The 4, 13, 11, 14, 5. Le trio avait les mêmes numéros et ensuite un couplet gagnant placé en partant du 13/11/14/5 gagnant placé. Voilà, et le 13 donc gagnant placé pour ceux qui sont amateurs de jeux simples. Ce cheval là devrait logiquement figurer au moins sur le podium. Voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir. Si vous avez des questions, si vous aimez ces vidéos, mettez un petit pouce bleu afin de m'encourager à continuer. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, cliquez sur le bouton abonner afin de recevoir les vidéos que je diffuse régulièrement. Et je vous souhaite à tous et à toutes bonne journée, bon jeu, bonne chance.